D'ailleurs, bienvenue. Un tueur préféré, Harpy et The Spirit, qui ont vraiment des gameplay ultra intéressants, je trouve. J'irais des Allemands, putain, les pires. Benny Boy, un streamer français de qualité, il joue Myers mieux que toi. Ah ouais? Non, c'est pas possible. Et il y a Moonwalk Master, je ne peux pas le croire, tant que je ne l'ai pas vu. Vous voulez voir un random trap de génie? Celui-là. Celui-là, c'est mon petit cadeau à la communauté. Alors, ils sont déjà là. Oh, mais ils sont chiants, les mecs. J'aurais dû passer à côté de la. Regardez, vous allez voir. A failli passer dedans. Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Nice! Putain, on l'a fait! Incroyable! Alors pourtant, les palettes descendent beaucoup plus vite. Ok, mon ruine par contre est déjà tombé. Ça, c'est un peu la baise. Mais. On a une cave. Il me semble. Ok, ça va le faire. On va pas de DS, ça c'est cool. On va attraper la fenêtre. Est-ce qu'on ferait pas, la cave, des enfers? Je sais pas si vous connaissez la cave des enfers exactement comment ça marche. Faites ça. Faites ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la cave des enfers. Hein. Ok, on a bien un mec ici en train de faire le gêner. Bonjour. Moi, c'est Olivier de chez Carglass. Si vous avez un impact sur votre pare-brise, plus petit qu'une pièce de 2 euros, promis, ça se fait en 2 secondes. Ok, un générateur était fini là. Faut que je récupère des trappes là-bas. J'ai un trap. L'autre ici, il y a Billy the Kid. Merde. Ah ouais, d'accord. Toi, t'es plus rapide, tu éclaires Billy, non? Par contre, tu te prends les murs. Hein. J'avais pas spoil ou quoi que ce soit. Putain, ils ont réussi à trouver une arnaque à ma suprématie. Attendez. Non, ils sont pas en train de se heal quand même. Nice. Ça c'est gagné. Vous l'avez pas dit? Ça c'est un peu le prank. Ça c'est vraiment la technique du prank ça. C'est, on l'appelle la technique du lapin en cage. Et merci à toi pour les 10 euros. Merci beaucoup. Roby, comment? Ah, mais incroyable. Pour le pare-brise? Ah bah bien sûr. Non mais attendez. Maintenant qu'on a la palette, ça c'est du génie. Ok, on a bouché Sadik. Hein. Ouais, on a bouché Sadik. C'est plutôt pas mal pour le moment. On a blessé pas mal de gens. Beaucoup de gens sont en train de perdre du temps là-dessus. L'autre est peut-être retourné sur son gêné. Non, on en a deux ici. Deux commis. Ah, j'ai cru, c'était pas il. Attends, on va l'amener sur notre. Ah ouais, la fenêtre là, c'était un peu de la merde. Non, là, oui, tu vas te le prendre quand même. Attendez, pas si elle va aller sur mon trap. Vous allez voir. Faut que je l'amène là-bas. On va casser la palette directement. Et safe là-dessus. Tout le monde a désamorcé mes pièges. Ça m'emmerde un peu, ça. On va continuer sur elle. On va laisser un peu en paix. On a un peu l'avantage dans Z-Game, mais pas trop quand même. Ça les place bien, en vrai. Putain, ça les place très très bien. Ok. C'est bon à savoir. Elle, on sait qu'elle connaissait Brain. Par contre, elle va à un endroit où c'est un peu la baise, là. Parce qu'il n'y a plus la trappe. Donc là, elle va tomber, et en plus de ça, c'est une cave. Hein. Nice. Elle avait un dé d'armes. Ils ont recommencé à se gêner. On va y aller, mais on va d'abord reposer nos traps. Welcome in my house of trap. Ah là, ils sont pas prêts, hein. Mais ils font l'erreur. Hein. Ils font l'erreur de tomber vers la cave. Clairement, c'est un peu plan cul face à un trappeur. Trappeur, harpie, tout ça. C'est pas les bons bails. Non, mais non. Comment dire que tu vas pas finir gêné là. Je préfère te l'avertir, t'avertir tout de suite. Ce générateur là, tu ne vas pas le finir comme ça. Je sais pas si je l'ai pas posé trop loin.
Le mec qui surenchérit pas, tu sais. N'hésitez pas, hein. Ah, elle est retournée là-bas. Elle veut finir son gêné. Jackie. On va essayer de l'empêcher. Jackie. Non, 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 non. Sur ma vie, se gêner, jamais vous ferez. Ça me prend pour un con, là. Donc regardez là, on fait ça. Bonjour. Moi c'est Olivier de chez Carglass. Est-ce que vous appréciez un peu ce gameplay de Jenny? Ou pas du tout? Je me demandais si vraiment vous appréciez pas ça. Moi je trouve que c'est plutôt bon plan. Bonjour. Putain, on aurait ramorcé le trap là, imaginez. Imaginez un seul instant là, tous ces petits lapinous là. Putain, on aurait dû les laisser ramper comme des sacs. Ah, elle est morte. Oh, triste. Bonjour. Ah bah ouais, mais sur le body block par contre ça marche pas. Quoi. Welcome in my house of trap. La cave infernale. Incroyable. Ils y sont pas prêts, ils peuvent rien faire en vrai. Là, ça c'est une strat. Bon, alors là je vous montre un peu du sale, j'avoue. J'ai pas l'habitude de jouer sale comme ça, mais c'était vraiment pour le lol. Moi, je vous montre vraiment des bonnes techniques. Bonnes techniques malgaches. Il y a toujours quelqu'un ici, non? Quel autre? Tu veux mon piège, là? Ça doit pas être long, hein. Mon trap random! Est-ce que vous vous rappelez de lui? Je vous l'avais pas dit que c'était du génie. Il y avait un moment, avoir un petit lapin, là, qui allait se faire baiser. Viens par là, mon petit lapin. Merde, elle est partie par là direct. C'est bizarre, j'avais entendu le son à droite, c'est pour ça que j'étais parti à droite, mais pas du tout. Ah bah oui, mais bon, en même temps, j'avais bien compris que tu lâchais les palettes en 2 secondes. Tu sais, moi, les palettes, man, je les reconnais, moi. Hein. Je les vois directement. Zéro fun. Mais attendez, ne serait-ce pas... Palette man. Zéro fun. Moi je comprends pas. Hein. Tu croyais faire l'amour au mur comme ça et que ça allait passer toi. Non mais vraiment les mecs. Je sais pas quoi. On aurait pu s'amuser encore un petit peu quoi. C'était quand même drôle. Alors je pense qu'ils vont un peu m'insulter quand même à la fin. Je les comprendrai à moitié. À moitié seulement. On va poser les trappes. Ah merde, j'ai plus de trappes. Incroyable. C'est quoi ces sons que l'on entend? C'est des sons que j'ai enregistrés et qui peuvent s'activer avec des commandes. Ouais, Spirit est super bien en vrai. Non, mais un tour préféré, je peux pas choisir entre l'harpie et le Spirit. Avant, c'était l'harpie et depuis que la Spirit est sortie... Je trouve qu'elle offre tellement de possibilités que c'est assez cool. Il y a beaucoup de gens qui jouent petit gibier. Je crois que je vais arrêter de jouer. Je crois que je vais arrêter de jouer ruine en vrai. Les mecs qui trouvent le ruine en 2 secondes avec ça, c'est vraiment trop le bordel. Tellement rapide qu'ils voient pas les murs, c'est clair. Une astuce avec les pièges. Ah mais oui, mais de toute façon, tu peux faire des trucs de sac comme ça, ouais, clairement. C'est trop stylé, quoi. King Ali, comment ça va? Ils étaient pas prêts pour la cave de ces morts, là. Clairement, ils devaient être au bout de leur vie, tu sais, les mecs.